Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Non, on va pas avoir la présentation d'une distribution ni la présentation d'un soft. On va s'amuser sous Proxmox. Vous avez vu là, en début de vidéo, j'ai démarré mon super serveur Proxmox. Non, je rigole. Je veux dire par là que c'est clair que pour s'amuser avec ce genre de soft, enfin c'est pas un soft, avec ce genre d'hyperviseur, je précise de type 1, Proxmox, donc hyperviseur de type 1, vSphere de chez VMware, hyperviseur de type 1, Hyper-V, donc hyperviseur de type 1 de chez Microsoft. Pour s'amuser avec ce genre d'hyperviseur, il faut du matos. Alors là, on s'éclate. Ici, c'est pas le cas. C'est un petit Acer Aspire mué par un AMD E350 que j'ai récupéré. Je me suis dit, pourquoi pas installer Proxmox dessus. Ce que j'ai fait. Hein? Maintenant, je m'amuse pas avec, mais ça permet de me faire la main. Et ici j'en avais un deuxième. Ah, mais là je pourrais commencer à bien m'amuser. Avec quoi par exemple? Je m'éloigne un peu. Là je pourrais faire, hein, si j'avais non pas un serveur, deux serveurs, je pourrais faire une grappe de serveurs. Ah ben oui, hein, ou un cluster. Et ça me permettrait de faire quoi? Ben ça me permettrait, voilà, de rendre mes services d'augmenter la disponibilité de mes services. Voilà. La haute disponibilité est un terme souvent utilisé en informatique, à propos d'architecture de système ou d'un service pour désigner le fait que cette architecture ou ce service a un taux de disponibilité convenable. Ah ben ouais. Migration à chaud, ouais. Wow, c'est génial. Et on pourrait aussi s'amuser avec quoi? Avec la répartition de charges. Ouais. Le load balancing est un ensemble de techniques permettant de distribuer une charge de travail entre différents ordinateurs d'un groupe. Ah ouais, si j'avais deux vieilles bécanes, voilà, j'en fais un cluster, et là je pourrais commencer à bien m'amuser. Après seulement, quand on s'est bien fait la main et tout, pourquoi pas se louer un serveur dédié, deux serveurs dédiés, et là, on met en pratique, non pas en prod, mais voilà, sur des serveurs physiques dignes de ce nom. Ok? Bon, pourquoi je parle de Proxmox? Quelqu'un m'a demandé il y a peu comment installer Windows 10 sous Proxmox. C'est pas dur, mais installer Windows 10 qui va bien sous Proxmox, c'est autre chose. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment faire. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais tous les liens que je vais utiliser durant cette présentation sont disponibles dans la description de la vidéo. Alors, déjà, je tiens à m'en excuser, je commence à l'envers. Il aurait fallu que je fasse une vidéo sur comment installer Proxmox. Ça viendra, je pense que ce sera la prochaine. Donc, voilà, faudra les remettre dans l'ordre. Mais en attendant, on va voir comment installer Windows 10 sous Proxmox. Donc, la première chose, je vais devoir me connecter. Évidemment, il est parti là-bas. Yeah. On va même faire autrement. Regardez, hop là, hop. Hyperviseur, voilà. Et voilà. Et je pense même que je vais pouvoir faire comme ça. C'est mieux. Alors, attendez, parce que j'en perds mes mots. Voilà. J'en perds mes mots. Terminal. Alors, je sais que j'ai attribué comme IP fixe à mon hyperviseur Proxmox la 192.168.2.41 et j'ai activé le service SSH, heureusement. Donc SSH espace root, ouais, je n'ai pas encore créé d'utilisateur, donc root 192.168.2.41, enter, password qui va bien, je valide par entrer au enter, et voilà. Pourquoi? Parce qu'il vous faudra une image de Windows 10. Où est-ce qu'elle se situe? Alors, on va faire un cd slash var, je ne sais plus. Attendez, je regarde. ls, ce sera lib, cd lib, ls, ça me revient petit à petit. ISO. Pour ma part, hein. ISO, ISO, ISO. Template. Et ce sera ISO. Et si je fais un LS, voilà. On voit déjà mon image ici.
Donc comment faire? Mais vous allez où vous voulez pour votre image. Mais exemple, service by Any, FTP, Windows 10, ISO 10. Admettons que je veux la dernière. Windows 10 1709 en français, architecture 64, clic droit, copier l'adresse du lien, et je ferai juste un widget, vous collez, et vous appuyez sur Enter, et c'est parti, je peux le faire, hein. Voilà. Ok. Voilà, maintenant, oh, j'ai un bout d'image ISO qui traîne. Eh merde! Pas bien ça! Copier. Faire RM. Voilà, c'est mieux. Ok? Comme ça, vous avez vu comment on fait. Alors. Donc, j'ai mon image ISO. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Créer VM. Alors, nom, on va mettre Win10 Essai Tuto. On va me faire comme ça. Voilà. Suivant. Alors, utiliser une image de disque ISO. Stockage ISO. Image, voilà. Alors, type, ce sera du Microsoft Windows, version 10/2016, c'est bon. Suivant. Alors, attention, disque dur. Ah ben oui, parce que j'ai dit qu'on allait installer Windows 10 sous Proxmox, qui va bien grâce au fameux pilote Virtio. Donc, là, stockage local LVM. Là, on va mettre 60 Go. Cache, on va mettre write back. Voilà. Suivant, c'est un petit AMD 350, un petit dual core, donc j'ai pas le choix. Défaut, KVM 64, on laisse comme ça. Suivant, ah, on pourrait allouer automatiquement de la mémoire dans cette plage, mais on va utiliser une mémoire de taille fixe de 4 Go. Suivant, le réseau. Alors, accès par pont, ouais. On active le firewall. Modèle, même chose. Virtio, paravirtualisé. Suivant. Terminé. On patiente. Ah, voilà. Voilà. Je pense que... Yeah. C'est bon. Alors, matériel. Je vérifie. Attendez. Ouais, voilà. Si tout est bon. Voilà. Ajouter. Lecteur CD en SATA, stockage ISO, image ISO, Virtio, Win 0.1.141 ISO. Et là, vous me dites, oulala, c'est quoi? Et bien, justement, ce sont l'ISO qui contiennent, c'est l'ISO qui contient les fameux pilotes Virtio nécessaire au bon fonctionnement sous Proxmox de Windows 10. Bah oui. À quoi vont utiliser... comment vont fonctionner ces pilotes? À quoi peuvent-ils bien servir? En gros, ces pilotes vont faire l'intermédiaire entre Proxmox et Windows 10. Voilà, vous allez mieux comprendre avec
la page de chez Wikipédia parlant de Virtio. Virtio est une abréviation pour Virtual Input Output, que l'on pourrait traduire en français par entrée-sortie virtuelle. Virtio est une interface de programmation du noyau Linux utile aux machines virtuelles. Problème, les machines virtuelles, pour des raisons de performance, tendent de plus en plus à devenir des hyperviseurs afin d'accélérer le transit des données entre l'hôte et les invités, en présentant au système d'exploitation invité un matériel virtuel nécessitant un pilote spécifique. Ceci contrairement aux machines virtuelles classiques qui simulent la présence d'un matériel existant réellement, généralement répandu, pour lequel le système invité a déjà un pilote. Voilà, vous lirez, c'est intéressant. Sur ce, on n'a pas fini avec la configuration de notre VM. Ah ben non. Je vais faire... Attendez, je vérifie. Mémoire, processeur, affichage... Ouais, voilà. Option. BIOS. Ah ouais, on va pas utiliser... un BIOS, mais un UEFI. Ok, attention, c'est pas fini. Matériel, ajouter, EFI disk, stockage, local LVM, ok, yeah. Et normalement là, ben je suis bon. Bah oui, je suis bon. La preuve, si je fais démarrer, console, voilà. Hop, petit coup de barre d'espace et c'est parti. Alors, vu les specs de mon serveur Proxmox, on n'est pas sorti de l'auberge. On est encore là dans 3 heures. Non, non, je blague. Je blague. Non, c'est sérieux. On est encore là dans 3 heures. On va essayer de bien utiliser ce logiciel de montage vidéo, comme ça vous n'y verrez que du feu. Alors, je reprécise encore une fois, bien entendu, toutes les images ISO, moi, elles ont déjà été uploadées sur mon serveur Proxmox. C'est vrai que souvent, je vous montre où aller les chercher sur le serveur FTP. Donc blabla Linux ou blabla Windows, peu importe. Mais regardez dans la description, il y a les liens vers les sites officiels pour récupérer ben, voilà, l'ISO de Windows 10, l'ISO avec les pilotes Virtio. Tout est ici, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Exemple, donc la page officielle de Proxmox. Proxmox sur Wikipédia, vous aurez. Voilà, pour aller chercher les fameux pilotes Virtio qui sont développés par Fedora, hein, par l'équipe qui s'occupe du projet virtualisation de chez Fedora. Regardez, stable Virtio Win ISO. Vous voyez, lien direct. Et je pense que voilà ce que contient l'ISO. Voilà tous les pilotes qui sont contenus dans l'ISO. Ok. Vous aurez aussi, ben voilà, un petit lien vers Wikipédia pour comprendre c'est quoi les pilotes Virtio. Ça, on va voir. On aura besoin de quoi? Ben en fait, on aura besoin des pilote Spice pour notre invité, donc pour Windows 10. Donc, guest Windows, voilà, Windows Guest Tools. Spice Guest Tools, on aura besoin. Vous aurez le lien sur Spice Proxmox VE. Ça, c'est quoi? C'est pour ajouter du son. On va voir tout ça. Et alors, bah, vous aurez les liens ici pour bien comprendre.
Ok? Ne vous tracassez pas, vous avez tous les liens dont vous avez besoin. Alors, sur ce... Ah ouais, j'en suis où, moi? Ah ouais. Hop. Voilà. Alors, bah ici, vous connaissez. Ça n'a plus de secret pour vous. France et Belgique, suivant. Installé maintenant. Et là, et merde, il ne va pas détecter de disque. Ah ben oui, je n'utilise pas de l'IDE, de l'SCSI, ni du SATA, mais j'ai demandé à utiliser Virtio. Donc on va attendre, parce que je pense qu'on n'a pas encore coché la petite case pour accepter le contrat Microsoft. Ah voilà, d'abord, je n'ai pas de clé. Alors, Windows 10 Professionnel, architecture 64, suivant. Voilà la petite case. J'accepte les termes du contrat de licence, suivant. Personnaliser, installer uniquement Windows, avancer. Et là, c'est le drame. Où souhaitez-vous installer Windows? Oh, je vois pas mon disque. Eh ben, charger un pilote, parcourir. Et c'est là que notre ISO Virtio Win va nous être utile, et c'est pour ça que j'ai installé un deuxième device lecteur CD-DVD. Le premier pour l'ISO de Windows 10, le deuxième pour l'ISO Virtio. Donc, hop, je déroule, je descends, et j'ai besoin du pilote qui se trouve dans le répertoire VIOS Store, Windows 10, architecture 64, OK. Regardez, Red Hat Virtio SCSI Controller. Suivant. Et c'est magique. Alors, soit, il y a deux possibilités. Soit on s'arrête là et on lance l'install. Mais alors, il va falloir installer deux autres pilotes par la suite. Ou alors, on pourrait les installer déjà maintenant. Je vais lancer l'installation directement. Comme ça, vous allez voir quels pilotes il manque et comment les installer. Comme ça, si vous oubliez... Soit vous le faites maintenant, et si vous oubliez, vous verrez comment procéder à leur installation. Donc je lance l'install directement sur le seul et unique disque, hein, de 60 gigas. Et là, on patiente, hein, tout simplement. Voilà, c'est parti, on patiente. Ouf, enfin. Alors, petit rappel, je ne sais pas si je l'ai montré tantôt, je l'ai précisé mais je ne l'ai pas montré. Quand j'ai ouvert une instance terminale pour voyager jusqu'à l'emplacement de mes images ISO, attention que chez vous, ce ne sera peut-être pas le même emplacement. Tout simplement parce que moi, data center stockage, attendez, je vais faire comme ça, voilà, stockage, j'ai créé un répertoire ISO qui se trouve dans... /var/lib/iso. Peut-être que chez vous c'est pas le même. Voilà. Ça, c'est la première chose qui est éclaircie. Seconde chose, ouais, le pourcentage que vous avez vu ici, pourcentage des ressources CPU utilisées, et les ressources CPU du serveur, pas les ressources CPU de la VM. Ressources CPU de la VM. Voici. Ok. Voilà, juste petite précision. Alors, hop là, c'est fait. Ici, vous connaissez, oui. Alors, autre petite précision apportée, je vous ai dit que lors de l'installation, donc on avait besoin, ça c'est obligatoire, du pilote Virtio VIOS Store pour pouvoir au moins détecter le disque, enfin le ou les disques, pour avoir un choix d'installation, hein, sur un des disques. Et je vous ai dit, soit on peut installer d'autres pilotes, ou alors on attend, on va le faire après. Quels étaient-ils ces pilotes? C'était le pilote réseau NetKVM et le pilote
Balloon, qui permet une gestion beaucoup plus pointue de la mémoire. Parce que là, on n'a pas de connexion au réseau. Donc là, Windows n'est pas à jour. La preuve, regardez, je continue. Et il va me dire, il est temps de vous connecter à un réseau. Il n'y a pas de réseau. Voilà. Soit vous installez le pilote avant ou après. Regardez, il est temps de vous connecter à un réseau. Et il n'y aura pas de réseau disponible. Donc, ignoré pour le moment. Donc, obligatoirement, un compte local. Voilà. Nom VWX. Suivant. Mot de passe blabla. Suivant. Voilà. Indice B L A B L A. Voilà. Suivant. Veuillez patienter, bande fixe. Donc là, vous vous en doutez. Maintenant, on va installer le pilote NetKVM. Et alors, le pilote Balloon. Donc, pilote NetKVM pour pouvoir se connecter à un réseau. Et le pilote Balloon pour avoir une gestion de la mémoire digne de ce nom, parce que vous allez voir que là, la gestion de la mémoire, c'est simple, il n'y en a même pas. Je pense que là, au bas mot, Windows 10 doit pomper 3 Go facilement. Et avec le pilote Balloon en place, on descendra approximativement à 1 Go. Eh oui, c'est parti. Yeah! Recherche de pilote d'affichage. Mais tu n'en trouveras pas. Regardez, on a déjà quelques petits soucis ici. Donc, par quoi va-t-on commencer? Clique droit sur l'icône du menu des applications. Gestionnaire de périphériques. Voilà. Autre périphérique, contrôleur Ethernet. Je mets sur Brillance. Clique droit. Mettre à jour le pilote. Alors, parcourir mon ordinateur à la recherche du pilote. Du logiciel de pilote. Ah ben oui, je vais utiliser la fameuse ISO qui se trouve dans mon deuxième lecteur CD-DVD. Donc, la fameuse ISO VirtuaWin. Je développe. Et alors, j'ai dit que c'était le pilote NetKVM pour Windows 10 en architecture 64. Ok. Suivant. Et c'est magique. Installation des pilotes. Voilà. Nom Red Hat Virtua Ethernet Adaptateur. Installé. Et là, c'est bon. Red Hat Virtua Ethernet Adaptateur est installé. Regardez. Yeah. Alors. Oui. Ça fonctionne déjà. Alors, deuxième pilote. Périphérique PCI. Alors, ce qu'on va faire, regardez. Clic droit, gestionnaire des tâches, on demande plus de détails, performance, alors, déjà ici, faire comme ça, voilà, alors, tiens, ça va encore la mémoire, ouais. Ah non, ça va encore. Alors. Je mets sur Brillance. Clic droit. Mettre à jour le pilote. Parcourir mon ordinateur à la recherche d'un pilote. Parcourir. Et alors, même chose, mais on va utiliser le pilote Balloon. Qui ne fait pas que ça, mais entre autres, gère la mémoire. Si je ne dis pas de bêtises, de façon dynamique. Suivant. Voilà, Virtua Balloon Driver est installé, fermé. Ouais, je suis à jour au niveau des pilotes disponibles. C'est cool, hein? Maintenant, que va-t-on faire?
Eh bien, on ouvre. Ah ouais, on ouvre. Edge. Voilà. Et on va aller chercher les tools Spice. Voilà. Rechercher sur le web. Spice, tout simplement. Je valide par entrée ou enter. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Voilà. Spice-space.org. Ça, c'est le site officiel. Download. Je descends. Et comme je vous l'ai déjà montré tantôt, guest, pas du Linux, du Windows. Et là, c'est un lien direct. Je clique. J'exécute. Contrôle de compte utilisateur. Oui. Je peux fermer Edge. Et on va installer les guest tools Spice donc sur notre invité. Hein. Next. J'accepte. Et on patiente. Donc, qu'avons-nous installé? On a installé avant, donc avant l'installation de Windows 10, on a injecté le pilote via Store pour pouvoir au moins bénéficier d'une détection des disques, sinon on est mal. On a installé Windows 10, ensuite on a installé le pilote NetKVM pour le réseau, on a installé Balloon, donc pour entre autres la gestion de la mémoire, mais pas que. Et là, Spice, eh bien, c'est pour la partie graphique. Je ne l'ai pas signalé, mais là, on utilise VNC, hein, pour pouvoir un rendu, pour bénéficier du rendu graphique de notre invité. Mais grâce à Spice, ça c'est, on installe les tools Spice sur notre invité, hein, donc on peut appeler ça entre guillemets un serveur, hein, et bien pour se connecter à notre serveur Spice installé sur notre invité Windows 10, on va devoir installer le client Spice donc sur notre système d'exploitation hôte qui est en l'occurrence moi Linux Mint 18.3 XFCE. Il est déjà installé, mais je vous donnerai la commande qui va bien pour l'installer. Yeah! Finish! Alors à partir de là, clic droit sur l'icône du menu des applications, arrêter ou se déconnecter, on arrête. Alors, vous avez vu qu'on démarre sa VM, après on fait appel à une console. La console c'est VNC par défaut. Et là regardez, Spice. Et pour pouvoir au moins se donner l'opportunité d'utiliser Spice, eh bien on va se rendre, donc on est toujours sur notre VM. On va aller dans Options. Non. Pardon. Matériel. Affichage. Double-clic. On choisit Spice. On fait OK. Après, on n'a plus besoin de nos lecteurs CD et DVD. Moi, perso, j'en ai plus besoin. Au revoir. Les deux. Ouais, les deux. Voilà. Alors, maintenant, on va redémarrer la VM. Je ne clique plus là sur console, mais ici sur le côté, Spice. Un fichier va être téléchargé. Save. Une fois qu'il est téléchargé, je clique pour l'ouvrir et là c'est Spice qui s'ouvre. Spice qui se nomme ici donc Machine Virtual Viewer. Je vous donnerai le lien
pour l'installer, je pense que c'est Virtual Viewer. Ouais, je pense que c'est ça. Virtual. Ah non, ou Virtual Viewer? Ouais. Ne vous tracassez pas, regardez dans la description de la vidéo. Vous aurez la commande pour l'installer. Donc ce sera sudo apt install Virtual Viewer. Voilà, ouais. Donc on peut déjà voir qu'au niveau redimensionnement, donc fenêtrage et résolution, voilà, je suis bon. La lenteur, ne vous tracassez pas, c'est juste dû aux ressources peu élevées de mon serveur. Double clic sur ma carte Ethernet. Détail, j'utilise 192.168.2.6. Je retiens. 2.6. Voilà. Panneau de configuration. Catégorie, petit icône. Système. Paramètres système avancé, utilisation à distance, autorisé, ok, appliqué, ok, hop, connexion, nouveau, ah voilà, c'était là, donc RDP, serveur 192.168.2.6, nom utilisateur BBWX, mot de passe blabla. Voilà, paramètres avancés, son en local, connecté, validé. Voilà, et j'ai du son. D'accord? On ferme la VM. Donc, on arrête. Oui. On va appeler notre ami le terminal. Alors, cd slash etc slash pve. Et alors, on va faire un cd cmu-server et dedans j'ai un fichier de configuration pour chacune de mes VM 100.conf, 101.conf, 102.conf, 103.conf. Vous avez vu que chaque VM a un numéro, 100 pour Ubuntu 16.04.3, 101 pour son clone, 102 pour ma première installation de Windows 10, 103 pour celle qu'on est en train de faire. Donc attention que je suis toujours en route. Hein. Donc je vais faire nano et je vais faire 103.conf. Je valide par entrée au enter. Alors, que va-t-on ajouter? Eh bien regardez, vous avez tous les liens dans la description. Voilà. Regardez. Ce que je vais faire, je vais prendre cette ligne. Voilà. Je copie. Et hop. Voilà, je descends tout en bas, je colle, CTRL X, yes, enter, et à partir de là, je peux démarrer ma VM de nouveau, voilà, ok, statut ok, console, spice, save, j'ouvre et mes disques sont reconnus. Bonne gestion de la mémoire. J'ai du réseau. Niveau graphique,
je suis bon, je peux redimensionner en mode fenêtré, mettre en plein écran. Et alors, ben, normalement, je devrais avoir du son. Donc, la totale. Donc, dorénavant, vous saurez installer Windows 10 sous hyperviseur Proxmox. Regardez, j'ai bien du son. Ah, il y a du son. C'est cool, hein. Et alors, si je fais affichage, plein écran. Ouais, voilà. Quitter le mode plein écran. Voilà. Évidemment, c'est lent, mais c'était juste une vidéo, voilà, pour vous montrer comment arriver à Windows 10 fonctionnel sous Proxmox. Voilà, mais je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai fait le tour, lentement mais sûrement. Donc je vous dis bye bye et à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux qui vous montrait comment installer un Windows 10 sous Proxmox. Allez, ciao.